L'obsession du mouvement, qu'il soit au cœur d'un film ou de sa conception dramatique et scénographique, amène parfois un cinéaste à repenser constamment son art. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui voit dans le mouvement de sa caméra le reflet d'une humanité qu'il veut peindre comme en constante remise en cause. Gore Verbinski est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 27 ans. On ne retient finalement de lui que ses derniers longs métrages ainsi qu'une saga s'étant perdue au fil de ses épisodes. Mais finalement, de Verbinski, il faudrait avant tout retenir une envie de changer le regard que le spectateur peut porter sur une œuvre de cinéma, car s'il y a bien une chose qui relie chacun de ses films quasiment tous diamétralement opposés dans leur vision du monde, c'est bien une envie de faire évoluer l'œil que peut avoir un homme ou une femme dans son fauteuil face à l'essence même du cinéma, la plongée au cœur d'un imaginaire qui se doit de devenir collectif. La suspension consentie de l'incrédulité est le centre d'un grand film, et Verbinski a voulu en faire son modèle de création dramatique et scénographique. En ne cherchant pas uniquement à créer mais également à imaginer, il fait de ses longs métrages des œuvres laissant le spectateur plonger directement au cœur d'une aventure folle. Animé ou réel, stylisé ou réaliste, fantastique ou romanesque, ces œuvres ont avant tout pour point commun une forme d'épique touchant également à l'intime, comme si avant de faire du graphisme le centre de son immersion, Verbinski voulait avant tout relier son œuvre à une forme de catharsis émotionnelle qui lui permettrait, avant d'impressionner, de captiver. Loin d'être simplement un cinéaste cherchant à poser un visuel et à laisser la dramaturgie de côté, Gore Verbinski veut faire de son film une plongée fascinante dans l'imaginaire d'un univers, avant de poser le visuel comme un pas de plus permettant au spectateur de comprendre, mais surtout d'accepter ce monde qui s'ouvre à lui. Il y a beaucoup de cinéastes qui apposent une patte sur leur film avant de s'en emparer et de pouvoir dire « ce film m'appartient et me ressemble ». Verbinski est plutôt un cinéaste qui cherche à faire des sujets au centre de ses films, des sujets qui le touchent avant de pouvoir en faire des sujets à son image, donnant ainsi un aspect caméléon à sa mise en scène. Bien loin de totalement convaincre, mais certain de captiver les foules, malgré des sujets parfois extrêmement complexes ou ressemblant à des films de niche, Verbinski impose pourtant son cinéma comme un immanquable de la production hollywoodienne actuelle, comme une évidence cinématographique qui se pose là, comme un symbole d'une envie de faire évoluer le cinéma et ses modèles. Ce réalisateur veut non pas uniquement faire évoluer les techniques du cinéma, mais également porter un film comme un objet de révolution des consciences, et comme un moyen de montrer que l'on n'est pas obligé de tourner en rond, mais que l'on peut comprendre le cinéma bien au-delà que par l'image qu'il renvoie au spectateur. À l'image de son cinéma, Verbinski veut peindre quelque chose qui se perd aujourd'hui dans la création, cette envie qui peut amener un auteur à se réinventer et à reconquérir son art. Verbinski voit dans le cinéma la possibilité pour un auteur de ne pas s'enfermer dans ses possibilités, mais bien de les imaginer en constante évolution. Une femme perdue face à une cassette, un pirate perdu face à son vaisseau disparu, un caméléon perdu au milieu du désert et un homme laissé pour mort, tous ces personnages ont pour point commun de devoir repartir à zéro afin de reconquérir le monde et de surtout redorer leur image auprès du plus grand nombre. À l'image d'un cinéaste dont les deux premiers films n'ont pas vraiment convaincu et qui a dû se battre pour imposer un imaginaire qui lui ressemblait, comme un besoin finalement inhérent à chaque cinéaste, celui de prouver que même enfermé dans une production qui ne cherche pas à se réinventer, on peut être capable d'imaginer de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons. Plonger dans le cinéma de Gore Verbinski, c'est questionner l'essence même d'une œuvre de cinéma et lui demander une réinvention subtile à l'image de son auteur. Bien au-delà de réussir à rassembler les foules derrière ses films aujourd'hui, Verbinski prouve qu'un film se crée avant tout autour d'un imaginaire et d'un auteur derrière celui-ci.